Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette superbe blouse au crochet. Vous pouvez la faire donc en blouse comme moi, jusque au bas du ventre. Vous pouvez la faire en top. Vous pouvez également la réaliser en robe sortie de plage, à vous de voir. C'est une nouvelle technique. On va utiliser une fourche pour le réaliser. Donc celle-là, elle est destinée, elle est un petit peu serrée pour Happy, donc le mannequin, parce qu'elle est destinée à ma fille. Mais c'est vraiment idéal pour l'été, ou avec un maillot de bain en dessous, ou avec un top. Elle est vraiment super sympa, très originale. Vous pouvez faire autant de couleurs que vous voulez. Je vous montre l'arrière également. Voilà, donc pour réaliser ce petit motif qui est réalisé pour ma fille avec cette laine dont je vais vous montrer le nom à la prochaine prise, j'ai eu besoin de 180 grammes pour réaliser ce petit modèle. Alors, pour réaliser cette très belle blouse au crochet, donc vous pouvez en faire un top, une blouse, une étole, vous pouvez aussi en faire un chemin de table, c'est vraiment vous qui voyez ce que vous voulez en faire. Moi personnellement, j'ai décidé de prendre donc cette laine. Ici, je vous laisse voir la marque. Je vais également prendre le crochet numéro 4. Vous aurez besoin également de petits repères et surtout quelque chose de très important, une fourche. Donc il m'a fallu aussi un petit moment pour m'adapter parce qu'on va travailler avec une fourche. Donc je vous montre le principe. Ici, on a deux parties sur le bas et sur le haut en plastique que l'on peut retirer, qui est fait exprès pour d'ailleurs. On a deux longues tiges où on va travailler. Sur le bas et sur le haut, on a également des petits espaces ici. Ça, c'est simplement à vous décider pour la largeur de vos boucles, comme ici. Ici, j'ai mis mes tiges au plus loin l'une de l'autre pour avoir des grandes boucles, comme on voit ici. Si vous voulez des boucles plus petites, vous n'avez simplement qu'à déplacer vos tiges pour obtenir des boucles plus petites. Alors pour commencer, on va donc pondre le fil, que ce soit de la laine ou du coton, c'est vous qui décidez. Et on va simplement faire le nœud de base. Alors vous laissez une bonne longueur, vous faites le tour de votre doigt, vous sortez un petit peu la boucle, vous passez le fil sous la boucle. Avec le crochet, on va aller le chercher. Maintenant, donc, si vous êtes droitière, on commence par le côté gauche. Si vous êtes gauchère, on va faire la même chose du côté droit. Donc, moi qui suis droitière, après avoir préparé ma petite boucle, je vais entrer, donc ici, mon fil de mon côté gauche. Je vais fermer là-haut. Ensuite, ce fil-là, je vais simplement le passer sur le haut, devant. Donc je le passe devant mon travail. Le plus important pour que le centre soit bien ajusté, c'est qu'ici notre nœud de base doit être bien au centre, comme ceci. Il doit être bien au centre de nos deux tiges. Alors ensuite, on va prendre notre fil par l'arrière. On va bien le tenir, donc je vais bien mettre que ce soit bien droit. Donc maintenant, avec le crochet adéquat qui correspond à votre laine, on va entrer entre les deux fils que nous avons. On va aller chercher, donc on entre bien dans le centre, on va chercher le fil à l'arrière, on le ramène. Et là, on va faire une maille serrée. Les premiers ne sont pas évidents, mais ensuite, vous verrez, ça va tout seul. Donc là, on a fait une première maille serrée. Maintenant, le principe, c'est vous baissez la tête de votre crochet. Et ici, sur le haut, on voit, je passe mon crochet de l'autre côté. Maintenant, je vais tourner ma fourche, comme ceci. Je me retrouve du bon côté. Là, à nouveau, on a nos deux fils. Donc, vous entrez bien entre les deux. Vous allez chercher votre fil à l'arrière, vous le ramenez devant. Un jeté, une maille serrée. Donc à nouveau, quand on a fait notre maille serrée, je vais essayer de bien vous montrer, c'est facile à faire, c'est juste
pour enregistrer, c'est pas évident. Donc, quand vous avez fait votre maille serrée, vous baissez la tête de votre crochet et là, vous passez le crochet à l'arrière. Maintenant, on tourne. Là, maintenant, de ce côté-là, on se retrouve avec déjà une première boucle et une deuxième. On va toujours prendre donc la dernière qu'on a fait, celle-là, et on va passer ici, on voit que c'est un petit peu, c'est tordu. Donc, on passe bien entre la première et la deuxième en prenant bien les deux fils avec nous. Et là, on va faire donc de nouveau une maille serrée. À nouveau, la tête vers le bas, on passe le crochet à l'arrière. Là, quand c'est fait, on va tourner. On revient de ce côté-là, on a de nouveau deux boucles. Vous passez entre les deux en prenant bien les deux fils de la dernière boucle. Vous rentrez dessous, vous ramenez, vous faites une maille serrée. La tête vers le bas. On sort notre crochet ici de l'extérieur. On tourne notre fourche. On revient de ce côté-là. Là, automatiquement, on a trois boucles. À chaque fois, on aura une boucle de plus. De nouveau, vous allez prendre les deux derniers fils de la dernière boucle qu'on a fait. Donc, vous passez bien sous vos deux derniers. Une maille serrée. À nouveau, on baisse le crochet vers le bas. On le passe à l'arrière. Quand on est à l'arrière, on va tourner notre fourche. Là, de nouveau, on prend la dernière boucle que nous avons fait. On prend bien les deux fils. Et on fait une maille serrée. De nouveau, on descend le crochet vers le bas. On passe de l'autre côté. On tourne notre fourche. On prend la dernière boucle qu'on a fait. On passe bien sous les deux fils de la dernière boucle. On ramène. On fait une maille serrée. Crochet vers le bas. On le sort, on le passe à l'arrière. Quand on a passé le crochet à l'arrière, on tourne. De nouveau, on prend les deux derniers fils de la dernière boucle qu'on a fait. On rentre bien sous les deux derniers. On ramène, on fait une maille serrée. De nouveau, on baisse le crochet, on sort sur le haut. On tourne notre fourche. On prend les deux fils de la dernière boucle et on refait une maille serrée. De nouveau, on sort notre crochet, on le passe à l'arrière, on tourne notre fourche, on prend les deux derniers fils de notre dernière boucle, maille serrée. Voilà, vous allez voir que ça va assez vite dès qu'on a compris le principe. Je vous conseille par contre, c'est carrément de poser votre fourche sur vos genoux, ça va beaucoup plus vite. Et c'est beaucoup plus simple à tenir également. Là, c'est un peu moins évident parce que je dois le tenir. Et regardez ce que je fais, voir si j'enregistre de la bonne façon. Vous n'allez faire répéter que ça à chaque fois. Donc, vous prenez toujours, ici on a la dernière boucle que l'on a fait. Vous prenez deux fils, vous passez sous les deux fils de la dernière boucle, vous ramenez un jeté à travers les deux. On a fait une maille serrée. Automatiquement, vous baissez le crochet, vous passez votre crochet à l'arrière. Quand il est à l'arrière, vous tournez votre travail, votre fourche. Et là, on reprend. On fait exactement la même chose. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, ça va se faire pratiquement tout seul. Parce que c'est vraiment pas difficile du tout. C'est juste pas évident la première fois. Donc ça, vous allez le répéter. Comme ceci. Donc, bien les deux derniers fils de la dernière boucle. On passe le crochet à l'arrière, on tourne la fourche, on reprend les deux fils de la dernière boucle, on ramène. Et comme on s'était bien mis ici, bien positionné au centre, donc ici nos mailles serrées sont toutes bien ajustées. Donc de nouveau, on passe le crochet à l'arrière, on tourne notre fourche, on prend les deux derniers fils de la dernière boucle, on rentre bien sous les deux derniers, on ramène, on fait une maille serrée. Crochet à l'arrière. On reprend les deux dernières fils de la dernière boucle. Maille serrée. Crochet à l'arrière. Le crochet, c'est plus simple de baisser la tête du crochet et de faire sortir sur le haut. Ensuite, vous n'avez plus qu'à tourner. De nouveau. Crochet vers le bas.
on fait sortir le haut de l'autre côté et on recommence. Donc ce même principe, moi là personnellement, donc j'ai déjà avancé, je vais vous montrer pour prendre les mesures avant qu'on continue. Alors, vous avez déjà décidé, prendre, si vous voulez que par exemple votre blouse, si vous essayez de faire une blouse, soit un petit peu plus loin vers les épaules, vous prenez au bas des épaules, de là donc à là. Moi personnellement, comme elle est pour ma fille, j'ai pris sur le haut des épaules, donc j'ai fait une mesure d'ici à ici en certain nombre de centimètres. Donc avec un mètre, vous prenez le nombre de centimètres ici que vous désirez. Ensuite, ce qu'on vient de faire ici, vous allez le faire sur 20 boucles. Ici, je l'ai déjà terminé. C'est ce que j'ai dû faire pour avoir la bonne mesure pour ma fille. Donc, j'ai fait un échantillon comme on est en train de faire là, mais que sur 20 boucles. Maintenant, donc, moi, j'ai fait, moi, au total, j'en ai fait 60. Mais avant de faire les 60, j'ai dû faire un échantillon avec 20. Donc, vous faites votre échantillon à obtenir 20 boucles d'un côté et de l'autre. Ensuite, ensuite, vous reprenez, quand vous avez vos 20 boucles, là on parle de 20, c'est pour qu'ensuite vous puissiez justement calculer le nombre de boucles qu'il vous faudra. Quand vous avez donc vous le bon nombre de chaque côté, en tout cas les 20 comme échantillon, avant d'enlever nos boucles de la fourche, on va faire 10 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On tire un peu sur le crochet. Donc maintenant, on va enlever la partie du haut. Voilà. Et on va simplement, gentiment, avant de sortir les boucles, j'allais oublier. C'est ce que je fais comme bêtise à chaque fois. Ben justement, la bêtise que je fais moi personnellement, c'est après qu'elle vient. Je vais prendre mes petits repères et je vais prendre les 5 premiers de ce côté-là. Je vais les mettre ensemble. Parce que c'est là où je me trompe tout le temps. Donc si j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5, je vais prendre les 5 de l'autre côté et je vais les mettre ensemble. 3, 4, 5. Là. Et je vais prendre également les 5 sur le haut que je vais mettre ensemble. Comme ça. Donc après avoir sorti toutes vos boucles de la fourche, on va reprendre notre crochet. Et là, on reprend les 10 mailles qu'on avait fait. Maintenant ici, on va attraper les 5 premières. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est un multiple de 5. Vous pouvez faire par multiple de 6, de 4. Si vous faites un multiple de 4, il faut prendre par 4. Multiple de 5, il faut attraper les boucles par 5. Donc comme moi j'ai fait multiple de 5, on prend 1, 2, 3, 4 et 5. Là, on fait un jeté, on ramène à travers toutes les boucles. Bon, on garde la première sur le crochet. Un jeté à travers le tout. Ensuite, comme on a fait multiple de 5, on va faire 5 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5. On continue ici donc avec toutes nos autres boucles. On reprend 1, 2, 3, 4 et 5. Faites bien attention à une chose, c'est bien les attraper toutes. Parce que quand vous avez fini, il y en a une qui n'a pas été attrapée, on le voit tout de suite, on est obligé de redéfaire. Donc après avoir attrapé les 5, on ramène à travers toutes les boucles, sauf la première qu'on a sur le crochet, un jeté à travers le tout. 1, 2, 3, 4, 5. On reprend les boucles suivantes, donc on prend 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté à travers toutes les boucles. Un jeté à travers les deux derniers. 1, 2, 3, 4, 5. On prend 1, 2, 3, 4, 5. 5 boucles. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 à travers le tout. Et donc ce procédé-là, vous allez le répéter jusqu'à la fin de toutes vos boucles. Alors quand vous avez répété
Le même procédé, ça vous donne ça. Donc, si je suis arrivée à celle où j'avais mis justement le repère, parce que souvent, comme ils ont tendance à se tordre, j'en prenais une de moins, une de plus, mais qui avait un rapport de l'autre côté. Donc, maintenant qu'on vous avez fini, on va faire 10 mailles de séparation. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. On va venir ici, au centre de toutes nos mailles, au centre de nos mailles serrées. On va faire une maille serrée. On refait 10 mailles de séparation. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, donc, on va travailler sur les autres boucles qu'on doit attraper. Donc, les 5 premières, je les ai marquées pour que ce soit simplement plus simple pour moi. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. De nouveau 5 mailles de séparation. Et là, on va continuer. Donc, toujours par 5. 2, 3, 4, 5. Donc là, vous allez répéter le même procédé de ce côté qu'on a déjà fait de l'autre. Et ça, jusqu'à la fin. Quand vous êtes arrivé à la fin en faisant exactement le même procédé que l'autre côté, ça vous donne ça. Donc maintenant, pour finir, quand on est arrivé à ce stade, on va faire les 10 mailles de séparation. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va revenir ici au point de départ et on va simplement fermer avec une maille coulée. On fait une maille en l'air de plus. Et on coupe notre fil. On tire dessus. Maintenant, il faut simplement qu'on cache ce fil. Donc, ce que moi, je viens de faire ici, pardon, avec 60, j'ai dû le faire au départ avec 20 pour faire un échantillon. Voir combien de centimètres me fait mon échantillon, savoir combien de boucles j'aurais besoin pour obtenir la largeur pour la taille de ma fille. Donc, pour ma fille, j'ai compté que j'avais besoin de 60 boucles par rapport au centimètre que j'ai trouvé. Donc vous allez faire pareil, vous allez donc prendre vos mesures comme je vous ai montré d'épaule à épaule, voir combien de centimètres il vous faut au total. Vous allez ensuite faire un échantillon avec 20, mesurez votre échantillon, combien de centimètres il fait. Ensuite, quand vous allez donc faire avec la fourche, simplement faire le bon nombre de boucles pour obtenir le bon nombre de centimètres. Alors quand vous avez vous trouvé le bon nombre de boucles à faire, donc vous allez faire exactement. Donc, vous allez faire le bon nombre de boucles multiples de 5, faire exactement ensuite les mêmes finitions qu'on a pu faire sur tout le tour pour une première bande. Ensuite, donc, vous allez faire une deuxième à l'identique, donc avec le même nombre de boucles, la même finition. La seule chose, c'est que la deuxième, on va devoir l'accrocher à la première. La troisième, on va devoir l'accrocher à la deuxième, et ainsi de suite. Maintenant, les autres bandes, on va les accrocher au fur et à mesure. Donc, vous allez... Ici donc, j'ai déjà fait ma deuxième bande exactement comme la première. J'ai simplement commencé à unir le premier côté. Donc ici, j'ai commencé à unir le premier côté. Quand on arrive donc au bout, après avoir tout mis ensemble, je vais faire comme on a fait pour la première, mais 10 mailles de séparation. 2, 3, 4, 9, 10. Donc, je vais faire ma maille serrée au centre, comme on a fait pour la première. Il n'y a rien qui change. Là, je refais mes 10 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, je vais mettre mon travail dans le bon sens pour mieux vous montrer. Donc, après avoir fait les 10 mailles ici de séparation, avant de fermer les boucles ici, je vais prendre la première bande qu'on avait terminée. Et là, je vais m'accrocher ici, on a les 10 mailles de séparation. Donc, je vais entrer dans l'espace des 10 mailles de séparation. Et je vais faire une maille serrée. Là. Ensuite, donc, je reviens sur celui qu'on est en train de terminer. Et donc là, je vais les prendre par 5, comme on a fait jusqu'à présent. La seule chose qui va changer maintenant quand on va les unir, c'est qu'on va faire 2 mailles de séparation.
On va prendre la bande qui est terminée, ici de ce côté-là. Donc on va aller dans l'espace des 5 mailles de séparation. Et on va faire une maille serrée. 2 mailles de séparation, on reprend la bande qu'on est en train de terminer et on continue par 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles de séparation. On reprend la bande qu'on a terminée. Et là, donc dans l'espace des mailles de séparation, on fait une maille serrée. 2 mailles de séparation. On reprend la bande qu'on est en train de terminer. On refait par 5. 3, 4, 5. 2 mailles de séparation. On reprend la bande qu'on a terminée. Donc on s'est accroché dans cet espace-là. On va aller dans le prochain. Avec une maille serrée. 2 mailles de séparation. On reprend la bande qu'on est en train de terminer. On reprend les boucles par 5. 4, 5. 2 mailles de séparation. On reprend la bande qui est terminée. On fait donc bien dans l'espace une maille serrée. 2 mailles de séparation. On reprend la bande qu'on est en train de terminer. On prend nos 5 boucles. 2, 3, 4, 5. Donc ce même procédé-là, pardon, vous allez le répéter. Donc je vous montre. On est en train d'unir donc les deux bandes l'une à l'autre. Vous allez le répéter jusqu'à la fin du tour, où on se retrouve pour que je vous montre comment terminer. Alors, quand vous avez uni les deux côtés ensemble, ça vous donne ça. Alors, maintenant qu'on est arrivé ici à la fin, donc j'ai bien pris mes cinq dernières boucles. Là, vous allez faire 2 mailles de séparation. Vous allez, ici, sur la bande qui était terminée, donc dans l'espace qu'on a entre les boucles et les mailles de séparation, vous faites une maille serrée. Là, on va faire nos 10 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc, on va terminer notre deuxième bande en allant bien ici au centre. Une maille coulée, une maille en l'air de plus. On coupe et on tire. Donc là, on vient de faire une première bande entièrement finie du début à la fin, une deuxième qu'on a assemblée au même temps à la première. Donc à partir de maintenant, le principe est exactement le même. La prochaine bande, donc vous allez la faire avec le bon nombre de boucles qui concernent vos mesures. Fermez le premier côté. Le deuxième, vous allez l'unir de la même façon qu'on vient de faire à celui qu'on vient de terminer, ainsi de suite. Donc moi, par exemple, pour ma fille, j'ai compté, parce que vous allez le faire sur la longueur que vous désirez, parce que vous pouvez également... Donc en faisant plus petit, vous pouvez en faire un joli top. Plus long, vous pouvez en faire une blouse. Vous pouvez même également en faire une sortie de plage, donc une grande robe sortie de plage ou de piscine. Vous pouvez en faire une étole, c'est vraiment à vous de voir. Donc maintenant, vous allez faire le nombre de bandes nécessaires pour la hauteur que vous désirez. Moi ici sur le premier échantillon, j'ai fait 5 bandes pour l'avant et maintenant je vais faire 5 bandes pour l'arrière. Vous devez le faire par deux, la partie devant et la partie de derrière. Quand vous aurez les deux parties pareilles, on se retrouve pour que je vous montre comment justement fermer la partie du haut pour passer la tête, fermer la partie pour laisser passer les bras. Et faire encore quelques finitions. Alors, quand vous avez fait deux parties, donc comme là, j'ai la partie de l'avant, la partie de l'arrière, identiques, avec le même nombre, de bandes pour l'arrière que pour l'avant, on va placer son travail de cette façon-là, comme ceci. Là, vous allez ou sur la personne concernée, donc pour qui vous le réalisez, ou avec un t-shirt. Donc moi, comme c'est pour ma petite fille, et c'est une surprise, j'ai pris un t-shirt. J'ai posé donc une pièce sur l'autre, donc là j'ai bien les deux, une sur l'autre. Et vous allez donc mesurer, mettre des repères sur les côtés
des deux côtés, pareil, pour laisser l'espace nécessaire pour la tête. Donc moi ici, j'ai déjà fait l'union, mais on va faire l'union de l'autre côté. Vous allez donc prendre les repères des deux côtés pour qu'il y ait de la place pour la tête. Ensuite, vous allez encore prendre un autre petit repère. C'est celui pour les manches, donc sur les côtés. Ici, moi personnellement, donc je me suis accrochée. Pour ma fille, je ne voulais pas faire quelque chose de trop serré. C'est quand même quelque chose qu'elle va porter en été. Donc j'ai laissé deux bandes sans y toucher. Je me suis accrochée au centre de la deuxième bande des deux côtés. J'ai pris le même repère de l'autre côté également pour faire pareil. Et on va également donc ensuite unir le bas sur les côtés. On va unir sur le haut et faire une petite finition. Alors vous allez déjà faire le nœud de base sur votre crochet. On va commencer par unir les côtés sur le bas jusqu'au premier, la première marque où on va laisser justement l'espace pour les bras. Donc vous allez vous mettre sur le bas, ici d'un côté. Donc on a bien nos 10 mailles de séparation. Vous entrez dans les 10 mailles de séparation. Vous ramenez votre fil. Et là, je prends les deux fils en même temps. C'est pour bien coincer mon fil de départ. Pardon. On fait 1, 2, 3 mailles de séparation. Ce fil-là, maintenant, est bien coincé. On n'aura plus qu'à le couper. On a fait 3 mailles. On prend l'autre côté. Les autres 10 mailles de séparation. Dans le centre, on va faire une maille serrée. Ensuite, on va faire 1, 2 mailles de séparation. On reprend ce côté, le côté sur le haut. On va bien dans les 10 mailles de séparation. On fait une maille serrée. 1, 2. On prend l'autre côté. Toujours dans les mailles de séparation, une maille serrée. 1, 2. On revient sur le côté du haut. Maille serrée. 2 mailles de séparation. L'autre côté, toujours dans les 10 premières mailles serrées qu'on a. Maille serrée. 2 mailles de séparation. Là, on passe directement au prochain groupe, à la prochaine bande des 10 mailles de séparation. On fait une maille serrée. 1, 2. L'autre côté. Deux mailles de séparation. On revient dans les 10 mailles de séparation de ce côté-là. On fait une maille serrée. 2 mailles de séparation. L'autre côté. Et vous allez simplement donc avancer de cette façon-là jusqu'à arriver à votre repère pour les manches. Quand vous êtes arrivé à votre repère, donc le repère qu'on a laissé exprès pour que les manches puissent passer les bras. Donc ici, je vais enlever mon petit marqueur. Je vais faire mes 2 mailles de séparation. J'en avais fait 1. Et là, je vais simplement donc prendre un côté et l'autre, rentrer dans la maille serrée d'un côté, ressortir dans la maille serrée de l'autre côté, ramener, faire une maille serrée, une maille en l'air de plus, couper une bonne longueur pour mieux pouvoir la cacher après, tirer sur notre fil. Donc avec ce fil qu'on a laissé là, ensuite avec une aiguille à coudre sans pointe, on va simplement cacher à travers les mailles chaînettes. Donc ce qu'on a fait de ce côté-là pour unir, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Alors maintenant, on va unir le côté du haut. Donc là, pour poser sur les épaules. Ici, j'ai déjà pris mes repères. On a le passage de la tête. Et ici, de l'autre côté, j'ai déjà uni les deux côtés ensemble. Donc ce qu'on va faire de ce côté-là, vous avez compris, il faut le refaire de l'autre. Alors on va bien, déjà on prépare bien notre nœud de base sur notre crochet. Ensuite, on prend le premier côté, donc celui qui est devant nous, ici dans l'espace entre les 10 mailles chaînettes. On rentre et comme on a fait tout à l'heure déjà, on va faire une première maille serrée mais avec les deux fils. Comme ça on les coince. On peut tirer un peu, voilà. Donc on a fait une maille serrée, 2,
3 mailles serrées avec les deux fils. Là, vous pouvez déjà couper le fil de départ parce qu'il sera déjà bien fixé. On prend l'autre côté dans l'espace ici des 10 mailles chaînettes. On fait une maille serrée, 2 mailles de séparation. On revient sur le côté du haut dans l'espace de 5 mailles. On fait une maille serrée, 2 mailles de séparation. On prend l'autre côté dans l'espace de 5 mailles de séparation, une maille serrée, 2 mailles de séparation. On revient de ce côté dans les 5 mailles de séparation. On va de l'autre côté, là, donc ça ici vous allez répéter vous sur la longueur que vous avez décidé. Moi, comme c'est pour ma petite fille, donc j'ai décidé que ça se posait vraiment que sur les épaules, donc j'ai pas une grande largeur ici. Donc quand vous avez fait vos deux dernières mailles de séparation, vous entrez bien dans votre maille serrée d'un côté, vous prenez la maille serrée de l'autre, vous ramenez, vous faites une maille serrée, une maille en l'air de plus, vous coupez une bonne longueur et vous tirez sur le fil. Comme ça, vous avez uni les deux côtés ensemble. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Voilà ce que ça vous donne quand tout est terminé. C'est vraiment un super résultat, très très joli pour cet été, très sympa à faire. Une nouvelle technique qui n'est pas forcément évidente au départ, mais on s'y fait. Ça vous donne vraiment un très joli fini. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.